De retour à cette troisième partie. Ouh, caché quoi? Ok. Donc, une 13, 893, mais tout qu'on vient juste de faire. Terminé pour Magmosan, donc un deuxième abandon. Dans le virage numéro 2. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Ok. Il est tout. Il me reste 3 tours. Voiture de Magnussen est là. Ok, 3 tours à faire. Pas d'adhérence avec la gamme temps, je sais pas pourquoi. On va activer l'ERS et consommer une partie de l'énergie récupérée. Ok. Plus que 2 tours à faire au Brésil. Check-moi la puissance moteur après. J'ai même un moteur, si j'aurais eu un électronique 9, j'aurais fait une meilleure. J'aurais eu une meilleure vitesse de point. Ah, j'ai pénalité 3 secondes pour 15 d'entrée. Un tour d'honneur au Brésil. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Cardo 17. Pour en évitant le deuxième secteur, ça prend pas.
putain de gaz que ça. Au point 9. On a éliminé l'excès de carburant. On est en bonne voie. Il va falloir que tu utilises un régime moteur inférieur. Que je faisais ça qu'un le meilleur tour. Puis le reste, c'est vrai. Victoire au Brésil. Tenzias. What a race. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Et Perez, troisième. Petite course. Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? C'est pas une question facile que vous me posez là. Je dirais Pierre Gasly. Il a parfaitement géré la pression et a brillé malgré les difficultés rencontrées. Rien ne peut remettre en question le classement des constructeurs à ce stade, mais et c'est encore une nette victoire de Mercedes qui réussit à s'emparer du titre des constructeurs. Une performance incroyable pour toute l'équipe. Alfa Romeo peut aussi se réjouir du résultat obtenu lors de ce Grand Prix. L'Inde est parvenu à monter au classement. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous pouvons assister. Je suis d'accord. PZS, puis VTL, P7. Magnussen, Kimi, Raikkonen, les abandons, et puis le classement pilote. Est-ce qu'il y a eu des changements? Lance a passé devant Kvyat. Vraiment maintenant 14 points. Mais derrière, il est à 5 points de Nico Hülkenberg chez Renault. Et puis Alfa Romeo, 33 points maintenant. Et puis donc avec Haas et Renault qui baissent. Puis là on va voir les temps forts de la course.
c'était une bonne journée. Quelles sont vos impressions? Vous avez fait un sans faute. Pensez-vous avoir remporté cette victoire avec une marche confortable? Il y a eu beaucoup de contacts aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Votre duel contre votre adversaire direct vous a-t-il aidé à progresser cette saison? Malgré les conditions déplorables, avez-vous eu l'impression d'avoir un avantage sur la piste? Bien, ce sera tout, merci. Je voulais te féliciter pour ton podium. Tu l'as amplement mérité. On était sur les dents pendant les derniers tours, mais tu t'es imposé comme un chef.